Bonjour les enfants. Vous la connaissez? Non, je l'ai jamais vue. Tu penses qu'elle est bien? Je sais pas, mais en tout cas, elle est mignonne. Un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Comme vous le savez, je serai absent pour des raisons personnelles jusqu'aux grandes vacances. Je vous présente ma jeune remplaçante, Mademoiselle Chabert. Elle vient d'obtenir son diplôme et c'est sa première classe. Bonjour les enfants. Je suis très heureuse de faire votre connaissance. Je compte sur vous pour être exemplaire et lui donner une belle image de notre école. Je n'en doute pas une seconde, monsieur le directeur. Et demain, nous continuerons ensemble la leçon de mathématiques sur la multiplication. N'est-ce pas, Adrien? Entrez. Bonjour les enfants. Voici monsieur Laclé à qui j'ai demandé d'avancer son cours de gym. Comme vous m'avez l'air bien agité, vous allez pouvoir vous défouler au foot pendant que je parle de vous avec mademoiselle Chabert. Dépêchez-vous de sortir. Vous verrez, Adrien est un élève intelligent et travailleur. Par contre, il est un peu turbulent et facilement influençable par ses copains. Il faut souvent le recadrer. Si je comprends bien, il faut être un peu plus attentive avec lui. Tout à fait. Je te rappelle qu'au foot, on ne tire pas sur le maillot de ses adversaires. Mais j'ai rien fait, c'est lui qui s'est pas shooté. Tu vas voir si je sais pas shooter. Pénalty pour les bleus. Ouais. Mets-toi derrière. Allez, on y va. Allez, vous mettez en rempart 2 devant moi et on rentre à l'école. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Jacques Prévert. Bravo Adrien. Tu as très bien récité. C'était très beau. Cela mérite un 8 sur 10. Moi j'ai eu un 8. Ouais, un 8 comme Marie. Ouais, comme les filles. Tu me prends pour une fille? On verra au foot si je suis une fille. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer ensemble la leçon sur le passé simple. T'as pensé à prendre tes mouchoirs? Pourquoi? Je vais encore vous mettre un but cet après-midi. Ouais, t'as raison, même pas en rêve. Adrien, c'est le dernier avertissement. Tu as intérêt à te défouler pendant la récréation. Je t'avertis, c'est la dernière fois avant la punition. Allez, sortez. Même pas vrai, je l'aime pas. La preuve, elle veut me punir. C'est toi qui aime moi. Et t'es jaloux, n'importe quoi. D'abord, elle est trop moche. Comment? Allez,
combien de fois par jour maintenant? Oh, c'est terminé? Allez, dépêchez-vous! Nous avons déjà perdu assez de temps à cause de Pierre et Adrien. Arthur, assieds-toi. Nous avons beaucoup de choses à faire avant midi. Donc pour commencer, nous allons faire de la géographie. Nous allons voir ensemble les fleuves français. Et puis ensuite, vers 11h, vous irez choisir un livre au bibliobus. Donc, pour commencer, regardez bien les cartes en face de vous. Vous allez dessiner. Le premier fleuve que nous allons apprendre, c'est celui-là, le Rhône. R H O-N-E, avec un chapeau. Et il se jette dans la mer Méditerranée. Très bien. Donc ensuite, nous avons... La prochaine fois que tu viens, je suis amoureux, tu verras la Seine. Et la mer... Ta gueule ! Adrien ! Ce que je viens d'entendre, ce n'est pas de la poésie. Faut-il que je te répète ce que je t'ai dit avant la récréation ? C'est la dernière chance, Adrien. Avant la punition. Ensuite, est-ce que quelqu'un peut me nommer ce fleuve? Comment il s'appelle? Oui? Le Rhin. Le Rhin. Très bien. Donc, on l'écrit aussi. Ensuite, le fleuve qui se situe ici. Oui, tout au fond? La Loire. La Loire, très bien. Et comment s'appelle l'océan qui se situe ici? Il est amoureux. Il est voilà, ici l'océan Atlantique. Ensuite, ce fleuve qui se jette dans l'océan Atlantique. Loane? La Garonne. La Garonne, oui. Et celui-là, est-ce que quelqu'un le connaît? Il est amoureux. Il est amoureux. Mais arrête! Alors, celui-là? Non? Donc ça... C'est la Dordogne. Il est amoureux, il est amoureux. Arrête ! Adrien ! Je t'ai prévenu ! Maintenant, tu es puni ! Pendant que tes camarades iront chercher un livre au bibliobus, tu resteras ici, à me copier 25 fois. En classe, je ne chahute pas avec mes camarades. En classe, j'écoute la maîtresse. Bien, tu vois, Adrien, tu es capable de travailler calmement quand tu veux. Je reviendrai te chercher pour la cantine à midi. Thank you.
Allez, bon appétit. Bon appétit. Au revoir. Tiens, regarde, c'est pas le livre que tu cherches. Tu vois ? Ah, nickel, merci. Je t'en prie. Alors, t'as choisi quoi comme option ? Bah, j'en sais rien. J'attends de voir les cours et puis je choisirai celui de la plus belle. Mais non, tu me connais. Il est hors de question que je passe toute l'année avec un vieux moustachu. T'es pas un peu macho, toi ? Hé, Casanova, regarde celle-là, elle te plaît pas ? Ah ouais, pas mal. Trop simple. Oh merde, je le crois pas. Quoi ? C'est mademoiselle Chabert. Ah, parce que tu la connais. C'est ma maîtresse. Ta maîtresse, c'est ça. Macho et en plus m'étoile, c'est bon, arrête. Mais je m'étonne pas. C'était ma maîtresse de CM2. Oh, mais regarde comme il est mignon, le petit Adrien, amoureux de sa maîtresse. Dis pas n'importe quoi. D'abord, j'étais pas amoureux. Puis c'est pas le cœur qu'elle m'a brisé. C'est la jambe. Comment ça, la jambe ? Ce sera trop long d'expliquer, mais... J'ai toujours juré de lui faire payer. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Ça vous fera 19,20 €, s'il vous plaît. Voilà. Tiens, regarde. Vous voulez un 5 ? Elle a pas changé. Hein. Voilà, elle a oublié un livre sur le comptoir. Merci, bien. Bonne journée. De même, au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oh, excusez-moi, la dame a oublié. Laissez, madame, je la connais. Fais pas le con, Adrien. Faut que j'y aille. Je vais pas perdre cette occasion. Vous pouvez pas faire attention ? Cours ! Je crois que le titre est une circonstance. Vous avez raison. Merci pour le livre. Mais de rien. Je vous offre un café. Avec plaisir. Je suis... Dites-moi, jeune homme, avez-vous souvent l'habitude de suivre les femmes seules dans la rue ? Non. Non, uniquement c'est le cube des livres. Mais vous, vous oubliez souvent ? Un livre, c'est la première fois. Mais pourquoi m'avez-vous suivi au lieu de me le rendre tout de suite ?
Vous savez, j'ai pas réfléchi. J'ai pris le livre, je suis sorti, j'ai commencé à vous suivre et au fur et à mesure que nous marchions, je savais plus quoi faire. Soudain, j'ai réalisé que cette situation pouvait peut-être être gênante pour vous et pris de panique, je savais plus comment vous aborder. J'ai même pensé à jeter ce satané livre. Mais heureusement, vous êtes assis à cette terrasse et là, ça fait tilt. Vraiment, je le regrette pas. J'en suis même ravi. Vous êtes flatteur et charmant. Mais ne seriez-vous pas un peu jeune pour suivre une femme comme moi? Vous désirez. Deux cafés, s'il vous plaît. Ok, deux cafés. Deux cafés. Merci pour le café, d'avoir accepté mon invitation au Lola Club samedi soir. Vous verrez. Je suis sûr que ça vous plaira. À condition de ne pas m'oublier. Tu devineras jamais ce qui m'arrive. Pas possible. T'as vendu 50 places pour mon concert. Non. Hé Pierre, il te reste encore des places? Je voudrais venir avec une amie. Bah, ça dépend, je la connais. Non, mais si tu m'en donnes deux, je te la présenterai. Enfin, peut-être. Laisse tomber, Pierre, je la connais, son amie, elle est maquée. De quoi tu te mêles, toi? Je t'en pose, moi, des questions? Non, t'inquiète pas, je m'en occupe. Hein. Alors, t'as encore changé de gonzesse? Mieux que ça. Tu te souviens de notre maîtresse de CM2? Mais tu sais, celle pour qui on s'était battu. Ah ouais, bien sûr, je me souviens. Eh ben, tu me croiras pas. Je l'ai croisée par hasard. Elle a pas du tout changé. Toujours le même look? Ah ouais. Toujours aussi belle. Oh, je me suis pas trop mal débrouillé. Tu expliquerais, hein. En gros, elle m'a offert un café et... je l'ai invité à ton concert. Et elle a accepté? Bah ouais. Mais t'as intérêt à assurer samedi soir. Faudrait pas que tu me foires mon coup. Bah t'inquiète, mec. Si elle m'a oublié, moi je l'ai pas oublié. Bonjour. Cette année, c'est moi qui suis chargée d'assurer le cours de littérature contemporaine. Putain, je le crois pas, c'est elle. Qui ça, elle? Bah, la maîtresse abrutie. Ah, t'as raison. Elle a pas changé. Toujours le même look. Même regard. T'as pas l'air con, toi, pour samedi, hein? Puis tu me connais, hein. Je vais pas me dégonfler. Ah non, c'est sûr que toi, tu vas pas te dégonfler. Mais elle. Merci, et à la semaine prochaine. C'est toujours bon pour samedi soir? Vous savez, j'ai des principes. Je ne sors jamais avec mes étudiants. Voici votre place. Moi, j'y serai pour 20h. Alors, elle vient ce soir? Bonsoir, c'est la bouteille de champagne. Vous désirez combien de flûtes? Deux suffiront, merci.
Je sais pas. J'ai pas de nouvelles depuis son cours. Tu l'as pas revu? Bah non. Pas depuis que j'ai donné sa place lundi. Ah, parce que sinon t'as commandé le champagne pour rien. Je te parie qu'elle t'a encore oublié. Cette fois-ci, je lui pardonnerai pas. Et voici les comptes. Merci. Bon, allez, j'y vais, sinon je vais aussi être en retard pour chanter. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Voici mon ami Pierre. C'est le chanteur du groupe. Bonsoir. Je vous laisse ma place. Je dois aller chanter. À plus tard. Alors finalement, vous sortez avec un de vos étudiants? C'est l'exception qui confirme la règle. J'espère ne pas le regretter. Ah, ça... En tout cas... Vous êtes ravissante. Vous êtes toujours aussi flatteur, jeune homme. Et vous, sublime dans cette robe. Merci. Je vous offre une coupe de champagne? Oui, avec plaisir. Ça y est, le concert commence. Bon anniversaire, chérie. Nous deux. Ce jour où elle t'a oublié, mais tu...